Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge, c'est moi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo tuto d'une carte. Donc, j'espère que ça vous plaira. Donc, on va réaliser ensemble cette petite carte que j'ai déjà réalisée. Mais aujourd'hui, on va la faire un peu plus complexe. Si vous, par contre, vous n'avez pas tout le matériel nécessaire... Alors, complexe, je vous parle complexe, un peu plus complexe au niveau de la déco... Un petit peu plus complexe également au niveau de la déco intérieure. Par contre, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas la déco de ce que moi je vais faire, vous pouvez tout à fait mettre des petites choses comme ça, toutes simples à l'intérieur, des petits autocollants comme ça que vous trouvez dans les livres de chez Action. Moi, ça vient des stickers de chez Action. Mais ne vous inquiétez pas, si la déco que je vais réaliser aujourd'hui, vous ne la trouvez pas, vous pouvez tout à fait la réaliser comme celle-ci. Et bien sûr, venir découper dans des magazines, des photos. Alors moi, ici, je suis partie, on va dire, dans le thème fleurs. Hein, voilà, dans le thème fleurs, mais donc des fleurs, des papillons, etc. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez partir dans un autre thème totalement différent. Donc là, je suis partie dans un thème vraiment fleurs, pas pour une occasion, voilà, j'ai simplement mis, vous voyez, un petit sentiment pour toi, mais rien d'autre. Aujourd'hui, on va partir plus sur une carte sur le thème de l'anniversaire pour celles qui souhaiteraient offrir, regardez, je trouve qu'elle fait plein d'effets qui pourraient être sympas pour un anniversaire. Alors, on va passer tout de suite. Alors, moi, comme d'habitude, j'ai déjà pré-découpé. Je fais dans du papier, dans mes chutes de papier. Je n'utilise pas de nouvelles feuilles. J'essaye de le faire dans mes chutes de papier. Donc, dans un premier temps, il va vous falloir la base de votre carte. Donc, la base de votre carte, elle va faire, du coup, 20 sur 15 cm. D'accord? 20 sur 15. Cette base ici, vous allez donc forcément la plier à 10. Alors moi, bon, si vous pouvez prendre les papiers blancs le plus épais que vous pouvez retrouver chez Action, vous savez, dans les blocs où il y a du papier craft, le papier blanc et le papier noir, voilà, vous pouvez tout à fait utiliser ce papier blanc-là, mais sur les feuilles les plus épaisses. Et moi, là, j'ai utilisé, parce que moi, c'est un papier que j'utilise beaucoup, donc je l'achète en nombre. Donc, du coup, je m'en sers même pour faire mes cartes, parce que j'aime bien un peu cet effet, je pense pas que vous allez le voir, mais j'aime bien un peu cet effet un petit peu marbré, etc., au niveau de ce papier que j'aime beaucoup. Comme ça, quand elle est comme ça, vous voyez, au niveau de l'extérieur... et ben il y a un petit dessin ou à l'inverse il y a l'intérieur, mais bon à l'intérieur vous voyez il y a juste cette partie là qu'on verra, donc vous le mettez, après vous le mettez comme vous voulez. Moi aujourd'hui je vais l'utiliser de cette façon, donc côté marbrure côté extérieur, enfin ouais côté des côtés extérieurs, mais vous pouvez le faire dans l'autre sens comme ici, vous voyez sur celle-ci j'ai fait les marbrures intérieures, là aujourd'hui on va faire l'inverse. Alors, celui-ci, c'est le papier aquarellable de chez Action. Pourquoi je dis celui-là? Parce que, comme je disais, je m'en sers beaucoup. Je m'en sers pour faire des patouilles. Donc, pour faire des cartes quand je fais une feuille marbrée, par exemple, dans les bleus ou dans les roses, etc., et que j'ai pas, ça me permet de le faire là-dessus avec des aquarelles. Voilà. Donc, ici, donc vous prenez une base blanche de 20 sur 15 et vous venez la plier à 10. Alors, moi, je le fais parce que je le plie comme ça, parce que j'ai, si vous n'avez pas, ben voilà, hein, vous faites un petit repère, ou vous venez juste venir, hop, voilà, l'assembler. Et à chaque fois, il fait bon, je laisse la porte ouverte, du coup, les chiens sortent, et à chaque fois, on y a le droit, ils aboient. Du coup, bah, punis, ils sont enfermés. Donc, à vous venez, ou alors tout simplement, vous prenez pas la tête, hein, vous venez juste faire les hop, voilà, et on vient plier, et hop, hein, voilà, on la met bien contre, et hop, on vient plier, et l'affaire est résolue. Alors, moi, j'ai pas de plieur, hein, voilà, comme je vous ai dit l'autre jour, mes clean règles, ça fonctionne tout à fait. Et moi, je me sers de mes affaires de... tango. De mes affaires de... bon, je sais plus, ça me reviendra. Bon, bref. Ensuite, vous allez choisir donc une page déco
pour mettre sur l'avant. Donc, vous voyez, ce papier-là. Donc, vous allez choisir une couleur que vous souhaitez pour mettre là. Mais attention, il faut que vous ayez une belle longueur parce que vous allez vous en servir pour faire une languette ici aussi de cette couleur-là. Bon, après, si elle n'est pas de la même couleur, c'est pas grave. Mais c'est juste pour faire un rappel. Vous voyez, pour faire un rappel de la couverture, faire un rappel à l'intérieur. Après, si vous n'en avez pas, vous prenez un autre papier. Donc, du coup, il va vous falloir donc une feuille déco pour le devant de 14 cm sur 9. Donc, ici, 14 sur 9. Pour venir coller ici. Et voilà, comme ceci. Alors, si vous voulez un bord plus petit, mais moi, je ne vous conseille pas. Alors, disons que si vous n'allez pas ancrer, si vous n'avez pas d'encre, donc les encres de chez Action, hein, par exemple, hein, ou les encres plus chères, hein, tout dépend ce que vous avez. Si vous n'ancrez pas, vous pouvez la réduire et la mettre à 9,5 sur 14,5. Si vous n'allez pas ancrer, vous mettez... alors, je dis bien, si vous n'ancrez pas, vous n'allez pas ancrer les bords comme ceci, vous pouvez le mettre plus grand encore pour qu'il y ait moins de blanc. Dans ces cas-là, vous réduisez d'un millimètre. Donc, ici, vous êtes sur du 15 sur 10. Donc, du coup, votre bande ici, vous la mettez à 14,5. Donc, vous faites une bande de 14,5 sur 9,5. Par contre, si vous avez des encres que vous allez ancrer pour dire qu'on voit bien quand même l'encre, du coup, là, vous venez. Ma carte, elle n'est pas droite, moi. J'ai un. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai. Du coup, je vais la tourner dans l'autre sens. Ça, ouais, je vais la mettre comme ça dans ce sens, du coup. Voilà. Donc moi, comme je vais ancrer, je laisse plus, je laisse un demi centimètre. Donc si vous allez ancrer, vous faites une feuille, donc la feuille déco de 14 sur 9. Si vous ancrez pas, vous faites 14,5 sur 9,5. Voilà. Ensuite, il vous faudra deux feuilles d'une autre couleur pour vous venir mettre à l'intérieur, donc comme ceci. Donc pareil, si vous ancrez, vous faites deux feuilles de 14 sur 9 également. Si vous ancrez pas, vous faites 14,5 sur 9,5. Et ça, vous le faites deux fois dans le même papier. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, on va finir peut-être les découpes. Ensuite, donc la même couleur que votre papier déco de devant. Vous venez couper une bande comme ceci, hein, de 20 cm sur 4. Voilà, absolument 20 cm sur 4. Voilà, 20 sur 4. Ensuite, il va vous falloir deux carrés blancs, comme ceci, hein, voilà, deux carrés blancs. Donc, moi j'ai pris la base de la carte toujours, hein, des un peu cartonnés. Il va vous falloir du coup deux carrés blancs de 7,5. Donc forcément, comme c'est un carré, c'est 7,5 sur 7,5. J'ai mon chien qui est en train de me bouger le pied de la caméra. Donc 7,5 sur 7,5, deux fois. Et ensuite, il va vous falloir quatre petits morceaux comme ça de blanc également. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même quelque chose d'épais. Vous voyez, je vous dis soit les grosses cartonnettes. Les plus épaisses en blanche dans ceux de chez Action où il y a noir, craft et blanc, hein, je me répète, hein. Ou alors sur le papier aquarellable de chez Action. Voilà. Et ici, il va vous falloir donc 4 morceaux de blanc de 6 cm sur 4,5. Voilà. 6 cm sur 4,5. Je vais revérifier, mais là, pour moi, c'est 4,5. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Vous avez tout pour réaliser votre carte. Vous le faites sur le thème que vous voulez. Vous utilisez le papier que vous voulez. Moi, je vais l'utiliser pour faire mes chutes.
Et puis, bah, vous voyez, c'est une carte qu'on peut envoyer comme ça, juste pour le plaisir, donc for you. Limite, vous l'envoyez à quelqu'un qui aime bien les fleurs, les plantes, etc. Donc, voilà, hein. Juste pour le plaisir, l'envoyer, par exemple, avec un petit cadeau, quelque chose, une petite carte. Pas forcément pour un anniversaire, pas forcément pour Noël. Une petite carte comme ça pour le plaisir, hein, avec un petit cadeau comme ça pour le plaisir. Ou à d'autres scrappeuses ou des choses comme ça. Et ensuite, bah, là, on va partir plus sur un thème anniversaire. Donc, ce qu'on va faire, moi, je vais venir ancrer mes bords. Hein, moi, je vais venir ancrer ici mes bords. Donc, avant de coller. Donc, si vous ancrez les bords, hein, je répète, 14 sur 9. Si vous ancrez pas les bords, vous venez directement coller. Et dans ces cas-là, vous centrez, vous collez. Et dans ces cas-là, vous faites 14,5 sur 9,5. Alors, moi, hop, je vais sortir mes petits et mes petites encres qui sont ici. Alors, je vais prendre celle-ci, hein, la métallique. Bon, je vais mettre une métallique, mais bon, je pense qu'elle irait bien avec cette couleur. Donc, je vais venir ancrer mes bords. Alors, ça, c'est des choses que j'ai trouvées sur AliExpress ou sur Amazon. Hein, et les encres, ben, viennent de chez Action. Donc, je vais faire que cette partie-là. Hein. Donc, je vais bien la plier parce que je vais venir faire aussi ce côté, le côté de la pliure. Vous ancrez bien de façon à ce que, vous voyez, vous appuyez un peu, enfin appuyez, de façon, vous ne mettez pas droit, vous voyez, de façon à ce que vous arrivez à en mettre un peu sur les bords. Bon, vous allez me dire, hein, comme vous m'avez déjà dit sur une vidéo sans tango, c'est pas une vidéo. Mais je suis désolée, hein, ça, à chaque fois qu'il me voit sortir ma caméra, il est parti. Hein. Puis, c'est pas comme un chien, hein, je peux rien y faire, malheureusement. Donc, voilà, j'ai ancré. Donc, je laisse un petit peu de blanc, hein, forcément, vous ancrez pas toute la, toute la partie. Ici, vous pouvez venir, du coup, maintenant, la coller. Voilà ce que ça va donner, vous voyez. Voilà, il faut croire qu'on voit quand même un peu de blanc. Hein. Alors, on va venir coller du coup. On va venir coller ça. Alors moi, honnêtement, je pense avoir trouvé ma colle. Hein. Je la scotch, la gel glue. Franchement, je trouve que celle-ci, elle va super bien. Elle déborde pas. Bon, je vais terminer celle d'action que j'ai. Hein. Mais je pense avoir trouvé ma colle. Bon, bah là, je vais utiliser celle d'action pour pouvoir les terminer. Hein. Mais honnêtement, vous voyez, j'ai déjà descendu un tube. Hein, il n'y a pas si longtemps que ça, je les ai achetés et j'ai déjà descendu un tube. Je ne me sers plus limite que de cela. Bon, comme j'en ai acheté plusieurs tubes chez Action. Bon, elle est pas mal, hein, celle de chez Action, attention. Hein. Bon, après, il y a des petites odeurs, hein, sur la scotch. Là, je suis en train d'essayer également la UHU Colpi. Et je trouve qu'elle déborde pas mal quand même. Allez, on y va. On en colle. Là. On en colle, on en colle, on en colle. On essaye de mettre ça le plus droit possible. Regarde, celle-ci, le problème, c'est que je m'en mets tout en plein les mains. Bon, moi, je suis jamais droite. Hein. Même ma carte, elle n'est pas droite. Bon, voilà. Là, on va dire que c'est bon. Voilà. Alors, ici, ce qu'on peut venir faire tout de suite, c'est sur le petit morceau de blanc, on va également venir l'ancrer comme les bords. Alors, je ressors mon encre que j'avais rangée. Hop. On fait pareil. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes en contre-jour. Voilà, on voit quand même. Voilà, j'ai venu ancrer. Et celle-ci, donc qui vient d'être ancrée, la blanche, on vient la mettre comme ceci en essayant quand même d'être un peu droit. Alors, vous voyez, on ne la met pas complètement comme ça. Hein, parce que sinon, bah, ça va dépasser. On vient la tourner de façon à ce qu'on soit... ouais, moi, je préfère comme ça.
de façon à ce qu'on soit. Bah, là, de toute façon, on ne peut pas se tromper, on va être bord à bord. Vous voyez, ici, on ne peut pas se tromper parce qu'on va être bord à bord. Mais vous voyez, ici, il est à peu près la même dimension ici et ici. Là, je suis à peu près bon. Donc, on va venir la coller. Alors, moi je la préfère comme ça. Donc ici, hop, bord à bord, tac, 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 on la tourne. On essaie d'être à peu près centré. De là à là, vous voyez, pour essayer d'avoir à peu près la même longueur. Là, on est à peu près bon. On en colle. Voilà, vous avez déjà une belle partie de la carte qui est faite. Alors, arrivé à ce niveau-là, si vous souhaitez la laisser comme ça, que vous me dites oui, mais non, Virginie, machin, moi ça me suffit, et bien vous venez coller un petit joyeux anniversaire ou un petit joyeux anniversaire écrit à la main, et vous pouvez tout à fait le laisser très simple comme ceci au niveau du devant de la carte. Maintenant, on va passer à l'intérieur de la carte. Alors, à l'intérieur de la carte, on va venir y mettre les deux autres morceaux d'une autre couleur qu'on a coupé à l'identique. Alors, je vais quand même essayer de les mettre droit, hein, ça serait bien. Hop, voilà, dans l'autre sens, comme ceci. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais ancrer. Je vous rappelle que ces deux feuilles-là font 14,9 sur 9. Hein? Non, pardon, 14 sur 9. C'est des cartes de 14 sur 9, des morceaux découpés de 14 sur 9. Je vous rappelle... Si j'arrête de parler, il arrête. Non. 14 sur 9. Je vous rappelle que si vous ancrez pas, vous pouvez la rallonger, vous voyez, de façon à avoir qu'un tout petit bord comme ça. Hein, vous voyez, carré comme là le bas, par exemple. Vous voyez, si vous laissez... Hop, vous voyez. Voilà, ça va vous faire que ça. Alors, si vous n'ancrez pas, vous laissez qu'un petit rebord comme ça. Et dans ces cas-là, la carte, au lieu de la couper à 14 sur 9, vous la coupez à 14,5 sur 9,5. Moi, je vais ancrer. Alors, ancrer de quelle couleur? Je ne sais pas encore. Cette couleur-là, je ne l'ai pas. Hein, ça aurait été l'idéal de le faire en beige. Mais je n'ai pas de beige. Bon, on va peut-être l'ancrer en bleu, du coup. Alors, est-ce que j'ai ce bleu-là? Ouais, on pourrait avoir ce bleu-là qui peut être pas mal. Allez, ben, moi, je vais l'ancrer en bleu, du coup. Allez, on va ancrer en bleu. C'est parti. Alors, du coup, là, pareil que tout à l'heure, je vais prendre celui-ci, puisqu'il y a déjà du bleu dessus. Voilà, et on ancre, du coup, de la même façon. Ah. Il y a des encres chez Action qui vont mieux certaines que d'autres. Mais bon, moi après, il y a la Distress, là, je ne sais pas quoi, chez de grandes marques qui va très bien. Moi, pour ce que je fais, honnêtement, bon, voilà. Après, chaque scrapeuse d'une... Alors après, on me dira, oui, mais dis pas ça, t'as jamais testé la... Ouais, non, c'est vrai, je ne l'ai jamais testé. Mais moi, je me dis que pour ce que je fais, la carterie... plutôt simple, hein. Voilà. Alors après, j'en fais un petit peu avec des, comment on appelle ça, j'en fais un peu avec de la découpe, etc. Mais comme vous n'avez pas les découpes, c'est un petit peu, voilà, je veux pas forcer les gens en disant bah ouais, mais moi la carte là je peux pas la faire parce que j'ai pas la découpe, j'ai pas le matériel pour. Donc moi, quand j'ai posé la question, on m'a dit des choses simples qu'on peut tous réaliser. Donc voilà, je vous fais des choses simples qu'on peut trouver chez Action, qu'on peut réaliser avec des choses de chez Action. Voilà. Alors ici, je vais venir la plier pour venir le faire également de ce côté-ci. Bon, celle-ci, je crois qu'elle commence à être un peu naze, mon encre. Et on le refait également de ce côté-là.
parce qu'on met deux feuilles différentes. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Donc maintenant, on va venir en coller ces deux feuilles. Donc en essayant de les centrer le mieux possible. Allez, c'est parti. Puis de toute façon, je dis clairement, moi c'est pareil, hein. Clairement, c'est des choses que j'achète chez Action, c'est des choses que j'achète sur AliExpress, c'est des choses que je vais acheter, parce que j'ai passé une commande, sur Shein. C'est pas des choses de grandes marques, de grands. Voilà, hein, y a des marques dont les feuilles sont quand même, je trouve, plutôt chères. Nous, on ne fait pas que ça, hein, on ne fait pas que de la carterie. Alors, certes, si on faisait que de la carterie et du hard journal ou des choses comme ça, oui, on peut se permettre de mettre. Des sommes un peu plus importantes. Il y en a, c'est même leur métier, hein, de vendre, voilà, ou chercher des ambassadeurs, des choses comme ça. Nous, c'est plus, on va dire, pour le plaisir. Je suis en train de calculer de quel côté je la mets. Ouais, comme ça. Elle n'a pas vraiment de sens, ce statut, il n'a pas vraiment de sens. Voilà. Donc voilà, on a donc l'extérieur de la carte qui est fait bien, Virginie. Je l'ai pris dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave, de toute façon, elle va aussi bien dans un sens que dans l'autre. Voilà, donc faites attention, vous mettez le papier, vous avez bien le bon sens. Si c'est du papier avec un sens. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, votre morceau ici que vous avez découpé dans la même couleur du coup que votre base de carte, enfin que votre base, que la couverture on va dire de votre carte, vous venez le plier à 5 cm. Alors 5, 10, 15. Hein, on est d'accord pour que vous ayez 4 morceaux. Donc 5, 10. Et 15. Alors, vous voyez, même ça que je vous montre le massicot, là, c'est une vraie marque, hein. S'il vient de chez Action, vous l'avez à 3 euros et quelqu'un. Il ne coûte pas une fortune. Donc là, ce qu'on va venir faire, vous voyez, c'est, on va venir faire ici, ça. Vous voyez, cette bande ici. Vous voyez, cette bande verte qui est là en dessous. Donc, comment ça se passe? Eh bien, on vient la plier comme ceci, ici. On vient la plier comme cela. Et ici, on vient la plier comme ceci. Vous voyez, vous faites un accordéon comme ça. Bon, un côté, vous venez le plier comme ça. De l'autre, comme ça. Et de l'autre, comme le premier. Vous voyez? Voilà, pour dire qu'il soit comme ça. Et maintenant, vous venez coller. Voilà, vous venez coller comme ça. Vous centrez. Hein, vous essayez de centrer. Hein, à peu près, hein, on n'est pas à 2 mm près non plus. Hein. Bon, et le centrage, on n'est pas très amis de toute façon. Alors, vous venez coller comme ceci. Alors, vous venez pas coller à ras-bord. Vous venez pas coller là. Hein. Vous venez bien le coller ici. Vous voyez? Comme ceci. Alors, pour celle, vous allez me dire, bah oui, mais nous, on n'a qu'un 2 mm. C'est pas grave. Même si vous n'avez qu'un 2 mm. Ce qu'il y a, c'est que, bah, vous voyez, votre carte, elle sera légèrement moins. Si vous n'avez pas ancré, vous n'avez pas laissé 1 cm. Votre carte, elle sera légèrement plus, voilà. C'est, regardez, moi, je peux le mettre bord à bord, hein. Vous voyez? Ce qu'il y a, c'est que, bah, si, ça change pas grand chose. C'est juste que vous allez, au niveau de l'ouverture, vous voyez, vous allez avoir un petit, un centimètre, en fait, qui va y jouer. Vous savez, elle sera un petit peu moins. Mais vous savez, quand vous allez le fermer, ça dépassera toujours pas. Hein. Donc, mais moi, je trouve que ça fait plus beau de venir le mettre vraiment sur la feuille en elle-même. Vous voyez, sans aller sur le bord. Alors, vous venez coller donc une partie et la deux, donc les deux extrémités. Vous venez coller les deux extrémités,
Le milieu, vous ne le collez pas. Les deux du milieu, vous ne les collez pas. Allez, c'est parti. Voilà. Et maintenant, on va venir coller ça. Alors, on va essayer de se centrer. Hein. On va essayer de se centrer. On va essayer de se centrer. Il n'y a rien qui est gagné hein, dans mon histoire. Voilà. Et voilà, on est à peu près bon. Voilà. On a notre carte. Vous voyez? Voilà, on a notre carte un petit peu style, on va dire, accordéon. Maintenant, on va pas coller le reste. Alors, j'explique pourquoi. On va passer à la déco. Donc, on va passer à cette déco-là. Donc, celle-là, hein, pour celles qui veulent faire le deuxième carré. Et on va passer à tous ces petites décos-là. Alors, je vous dis, on va pas tout faire aujourd'hui parce qu'on est déjà quand même à 26 minutes. On va faire ensemble ce carré-là. Alors, je vous dis, si vous voulez quelque chose de très simple, vous prenez une feuille, vous venez coller 2-3 stickers. Hop, et puis l'affaire est faite. D'accord? Nous, on va faire un petit peu comme si qu'on faisait un petit peu du art journal. Alors, je vous explique. Donc, on va partir sur des bases de papier. Donc, moi, je vais partir sur une base de papier jaune. Ici, on en a... voilà. Ces feuilles ici m'inspirent. Donc, pour faire du art journal, je trouve ça génial. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va venir déchirer. On déchire le art journal, on déchire du papier, on s'éclate. Hop, je suis un petit peu même trop, mais c'est pas grave, on va coller, on coupera après. Et on va partir du coup dans ce sens-là. Alors, ici on va laisser droit, donc on va couper comme ça. Ouais, on va couper comme ça. Alors, si vous n'avez pas ce papier-là, c'est pas grave, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Vous prenez autre chose, hein. Moi, c'est parce que je veux rester un peu dans le jaune, comme ma face, comme ma... Regardez ce que ça va faire. Alors bon, c'est des petites zones, hein, donc c'est pas évident. Voilà, on va venir coller. Alors, je vais quand même venir la découper, c'est parce qu'elle est vraiment très grande. Ma paire de ciseaux. Elle est où? Voilà. Bah, tant qu'on y est, allez, on va venir couper ici aussi. Alors, on va laisser un côté. Voilà. Donc ici, on va faire comme ça pour laisser un peu un côté, hein, un peu style, voyez, déchiré. Alors, voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Donc ça, je le mettrai dans mes chutes de papier. Après, si vous avez des chutes de papier dans les tons que vous voulez, vous le faites. D'ailleurs, moi, pour les autres petits carrés, ça sera dans les chutes de papier, hein, clairement. Là, c'est parce que je voulais tester celui-là. Alors, on vient en coller. Tac, 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 tac. Hop. Voilà. Et on va recoller l'autre également. Voilà. On va faire une espèce de art journal sur cette petite feuille. Je n'ai pas dû bien couper, j'ai encore un petit... Voilà. Ensuite, eh ben, vous venez tout simplement chercher... Dans des choses comme ça, si vous avez des petites choses à venir y coller. Alors, si c'est pour une femme, si c'est pour un homme,
Tout dépend sur quel thème vous allez. Vous venez coller des autocollants. Alors moi, je vais partir. Attendez. Quand même sur cette carte. Attendez, je sors des petites choses. On va aller dans ces sticker books. Hein. Je ne les connais pas encore par cœur. Hein. Il n'y a pas assez longtemps que je les ai. Qu'est-ce qu'on va venir y coller? Bah, on va venir y coller déjà un Happy Birthday. Mais avant l'Happy Birthday, on va le mettre au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut venir y coller? Qu'est-ce qu'on va venir y coller? Qu'est-ce qu'on va venir y coller? Bon, on va peut-être mettre le Happy Birthday au milieu. Allez, on est parti. On va mettre un Happy Birthday. On va mettre celui-ci. Celui-ci me plaît bien. Voilà, on part sur le Happy Birthday au centre. Voilà. Qu'est-ce qu'on va venir y mettre? On va venir y mettre un petit ballon. On va venir lui mettre un petit ballon. Tac, tac. Qu'est-ce qu'on va venir encore y mettre? Et bien là en haut, on va peut-être mettre un petit ballon, mais différent. Voilà. Vous voyez, là, vous allez selon votre inspiration. Qu'est-ce qu'on peut encore y mettre? On va venir y mettre ici un petit gâteau comme ceci. On ira le mettre là où il y a une zone blanche. Hop, voyez. Qu'est-ce qu'on peut encore venir y mettre? Voyez, là, c'est un peu plus long parce qu'en fait, j'ai rien préparé. Je prends comme ça me vient pour vous montrer. Et ensuite, eh ben, l'autre, les quatre autres, vous les faites à votre guise. Qu'est-ce que j'aurais bien voulu mettre? On peut y mettre des petites bougies, là, des petites bougies. Bon, après, c'est compliqué de partir comme ça quand on ne connaît pas le thème de ce qu'on veut faire. C'est quand on ne sait pas si c'est pour un homme ou une femme. Ici, on va mettre les deux petites bouteilles qui trinquent, les deux petits verres qui trinquent. À la tienne, et tienne. Hop! À la tienne, mon vieux. Vous voyez? Voilà. Alors ici, il y a encore des petites choses à mettre. Hein. Il faut encore y mettre des choses. Hein. Il n'y a pas assez de choses. Non, Virginie, il n'y a pas assez de choses. Alors ici, dans les boucles ici, est-ce qu'on a un peu de jaune, des trucs en jaune qu'on pourrait y mettre? Après, on va essayer de faire un peu de superposition de papier. Ah, ici, un petit bout de papier. Hop, comme ça. Bon, attendez, on va prendre un. Sinon, ça va commencer à être le souk. Voilà. Voilà, ici, on va mettre une petite bande de papier. Hop, comme ceci. On va en mettre une avec des étoiles. On va en mettre une ici. Voilà. On va en mettre une avec des rayures.
ici, mis comme ça, non, mis comme ça, tiens, mis comme ça, hop, voilà. On aurait pu mettre un bout de washi qu'on va venir mettre ici en bas. J'aurais même pu venir le mettre ici, vous voyez, à la place de l'Happy Birthday, et puis venir mettre l'Happy Birthday dessus. Ouais, bah non, on va pas le mettre du tout parce que ça fait trop grand. Qu'est-ce qu'on a encore ici, 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 on a encore un cadeau. On va venir remettre, on va venir mettre un petit cadeau. Ici en bas, un petit cadeau. Qu'est-ce qu'on va encore y mettre? Alors après, c'est toujours pareil, hein. Vous pouvez le mettre à la façon... quelqu'un qui aime bien le café, quelqu'un qui aime bien... Regardez ici, un petit donut, on va venir mettre... Il y a un petit gâteau, mais ici, on va venir y mettre un petit donut. Ou une part de gâteau. Une part de gâteau, c'est bien aussi. Hop, ici, on a la part de gâteau. Hop, on va venir mettre ici. Non, on l'a déjà mis là, donc on va venir le mettre ici. Voilà, on va venir le mettre ici, comme ça. Hop, la part de gâteau. Vous voyez, c'est de la superposition. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui aime bien partir en voyage. Vous pouvez faire joyeux anniversaire et partir tout sur le thème du voyage. Qu'est-ce qu'on va encore y mettre? Bon, on va repartir. On va peut-être mettre une petite fleur. Allez, une petite fleur. Je ne veux pas que ça soit quelque chose de très grand. Hein. On lui mettrait bien un petit cœur aussi. Une petite fleur comme ça. Allez, une petite fleur comme ça, ça peut être sympa. Allez, go. Alors, ouais, comme ça. On va y mettre une petite fleur comme ça. Voilà. On va venir y mettre un petit papillon aussi, pourquoi pas. On va partir sur un petit papillon dans les bons tons, quand même. Voilà. Le petit papillon, on va venir le mettre ici. Bon, après, moi, j'aime pas quand c'est chargé des masses et des tonnes, hein, j'oublie tout de suite. Donc, il y en a, ils font de la superposition, de superposition, que limite, ça cache énormément de choses. Moi, j'aime encore qu'on voit quand même à peu près tout. Hein. On va encore mettre ce cœur ici, rouge. Hop. Et je pense que ça ira. Voilà. Vous voyez un petit peu sur quoi je vais arriver. Voilà, de la superposition, des choses mises sur d'autres. Alors moi, comme je dis, j'aime bien qu'on voit encore toujours un peu ma base. Enfin, ma base, mais c'est recouvert. Hein. Et maintenant, on va venir ici, pareil, en la centrant un petit peu, venir la coller. Voilà. Regardez s'il était toujours là. Hop. Oups. Alors. Voilà. Bon, on est à peu près bon. Hein. Maintenant, on vient bien coller tout ça. Et vous avez votre... couverture Happy Birthday. Voilà, vous avez votre base de cartes. Terminé. Maintenant,
On va partir du coup sur les quatre morceaux qui nous restent. Hein, comme ceci. Et on va faire pareil que sur celui-là. Hein, on va partir pareil que sur celui-là. Donc sur celui-ci, par exemple, on va mettre. Attendez. Ouais, il y avait des choses sur celui-ci qui m'intéressaient. Attendez, je regarde. Ouais, ici, on avait des gâteaux d'anniversaire, des choses comme ça. Alors, du coup, ici, pour l'intérieur, on va essayer de changer à chaque fois de fond. Alors, moi, je vais prendre, vous voyez, dans toutes mes chutes de papier. Alors, on va peut-être essayer d'en faire un petit bout avec vous, mais on va, je vais honnêtement pas tout faire avec vous. Hein. Je vais vous laisser faire. Hein, de votre côté, voyez, ici, j'ai une petite chute. Bah, bon, non, c'est une chute de la même couleur que celui que j'ai utilisé. Ah, bah, regardez, ici, une petite chute de bleu. C'est pour ça que je vous dis de jamais jeter. De ne jamais jeter vos papiers. Regardez celui-ci. Il est super festif avec des ballons et tout. On va l'utiliser. Et ben on va partir sur celui-là. Allez, sur ces deux couleurs-là, ils vont très bien aller ensemble pour mon premier carré. Alors ici, on va venir tout simplement. Bon, on va venir le coller comme ça. Hein, on ne va pas chercher à s'embêter. C'est pour ça que je dis ne jamais jeter vos chutes. Ça peut servir tôt ou tard. Tôt ou tard. Voilà. Je vais essayer de la faire avec vous vite fait, sans trop me prendre la tête. Et ici, on va venir. Bon, on va le laisser comme ça. Au final. Non? Ouais, on va le laisser comme ça. Attendez. Hop. Hop. Voilà. Regardez. On va venir faire comme ça au final. Hop. Hop, 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 on va laisser un peu de blanc, mais c'est pas grave. Regardez. Allez, je vais en coller. Et vous faites pareil pour les quatre autres. Enfin, pour les trois autres. Ah, ici, j'ai ma colle, elle peut déborder. Ah, vous voyez, celle-ci, je m'en mets toujours plein les doigts, c'est pas possible. Voilà, ici, on va venir mettre celui-ci par-dessus. Voilà, ici, il y a un petit bout de trop. On vient couper. Voilà. Donc, vous voyez, on a un petit carré hein, voilà, comme ceci. Ici, on va venir glisser un petit cœur et des petites lèvres. Allez, on va mettre celui-ci. Alors, où il s'ouvre. On va mettre un petit peu de washi. Voilà, alors on va mettre hop, ici. Voilà. Un petit peu de washi. Ici, on va venir y mettre. Un petit gâteau avec une bougie, on va venir le mettre ici et bas ici au centre. Hop, petit gâteau avec une bougie, on va venir lui mettre ici un petit verre à cocktail. Hop, ici en haut.
Ici dedans, c'est tout ce qu'on va prendre. J'aurais peut-être pas dû coller le gâteau là. Non, je vais pas coller le gâteau là. Je vais l'enlever. Je vais venir le mettre ici en haut. Parce que ici, on n'a pas une grande page. Hein, donc, il ne va pas falloir grand-chose au final. Hein. Alors, c'est dans lequel qu'il y a des un thème anniversaire, celui-ci. Oui, c'est sur celui-ci. Et bien, sur celui-ci, on va venir y mettre ce gâteau-là. Alors, attendez. Hop. Voilà. Vous voyez, ce petit gâteau. Limite, vous voyez, je trouve qu'il y en a assez. Voilà, on a un jeu de papier différent. On a le gâteau, on a des petites choses. Moi, j'ai l'impression que ça se suffit. Alors, attendez, je vais quand regarder parce que j'avais sorti un livre ici. Si je l'ai sorti, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui m'intéressait dedans. Ouais, c'était celui-ci de Noël de chez Action. C'est parce que dedans, il devait y avoir des choses. Des choses et des choses. Ah, le petit nœud ici peut être intéressant aussi. Qu'est-ce qu'on peut y mettre ici? Ah, ben regardez. C'est de petites pastilles ici. Hop, regardez. Hop, une rouge. Ici. Hop, et j'en ai une deuxième rouge ici. On va venir la mettre aussi. Voilà. On va venir les coller ici. Et puis ici, on a un petit cœur ensablé. Allez, on va venir mettre le petit cœur ensablé. Il y a deux pages, j'arrive pas bien. Hop, et le petit cœur ici, comme ça, ensablé. Voilà, il y en a assez. Il y en a assez pour moi. Je vous dis, moi, j'aime pas trop quand c'est chargé de fou. Allez, hop, les deux petites pastilles ici. Un petit point de colle, rien du tout. Tac. Et hop, le petit cœur, un petit point de colle comme ça. Hop, il y en a assez. Et voilà. Vous voyez? Donc là, la première petite carte de fête sur le thème de Noël. Ce qu'on va venir faire, du coup, ben, c'est la coller. Voilà. Donc ici, on va coller cette partie-là. Je vous montre hein, pour vous faire les autres, mais je vais vous arrêter la carte maintenant. Hein. Vous voyez, hop, voilà, vous venez mettre sur le carré et vous venez ici le centrer. Ah oui, j'ai oublié de dire, mettez pas de la colle pile poil à ras bord. Voilà. Alors, si la personne a un thème précis, si une personne fait du sport, si une personne aime bien cuisiner, si c'est une personne qui aime bien les fleurs, si c'est une personne qui, je sais pas moi, qui a un corps de métier, ben, vous allez en rapport de ça, limite, pour faire votre petit sketch. Hein. Enfin, votre petit sketch. Votre petite carte. Hein. Voilà, vous allez par rapport à tout ça pour faire vos trucs. Moi, j'ai... Voilà, là, actuellement, j'ai pas plus d'inspiration que... Voilà.
Disons que la carte, si je la faisais demain pour offrir à quelqu'un, je saurais peut-être sur quoi partir par rapport à ce que la personne aime. Par contre, là, je pars vraiment un peu en freestyle parce que, bah, vous voyez, je sais pas ce que la personne va aimer. Hein, parce que, bah, j'ai pas d'idée pour l'instant à qui l'offrir, cette carte. Donc, je pars vraiment sur une carte qu'on pourrait offrir à n'importe qui pour un anniversaire, au final. Hein. Si c'est quelqu'un qui adore les papillons, et bien, vous faites quatre feuilles comme ça avec des papillons dessus. C'est quelqu'un qui adore les fleurs, vous mettez des fleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? C'est quelqu'un qui aime bien les voyages. Et ben vous partez sur le thème, c'est quelqu'un qui aime bien tout ce qui est glace, hamburger, machin, tout ce qui est bouteille, etc., etc. Quelqu'un qui aime bien les glaces. Voilà, quelqu'un qui aime bien les voitures, vous pouvez mettre des voitures. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et quelqu'un qui aime bien le voyage, ben, vous pouvez mettre... quelque chose sur les thèmes du voyage, vraiment quelqu'un qui aime bien le sport, les chats, la couture, quelqu'un qui fait de la couture, vraiment vous partez vraiment sur une multitude de choses qui vous intéressent. Voilà, donc moi je vais, regardez, vous voyez, celle-ci, je vais en faire un à la fin, vous voyez, un peu un style feu d'artifice. Donc le dernier, c'est sûr qu'il y aura un espèce de feu d'artifice sur un de mes derniers en mettant des autres papiers. Hein, voilà. Donc, eh bien, écoutez, moi, je vais le terminer de mon côté. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai le rendu hein, de ce que ça aura donné, moi, de mon côté. Hein, une fois que j'aurai terminé, eh ben, j'espère que ma petite vidéo... Donc, moi, je vais mettre mes trois petits carrés parce que je ne vais pas le faire tout de suite, tout de suite. J'espère que ma petite vidéo, enfin, ma grande vidéo, en final, vous aura plu. Et si vous la réalisez, cette carte, eh ben, n'hésitez pas à me l'envoyer. Vous avez mes réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me contacter dans la barre d'infos. Vous avez mon Messenger, mon Facebook, en fait, mon Messenger. Et vous pouvez me contacter via Messenger. Je répondrai avec plaisir si vous avez réalisé l'une de mes créations. Et je vous le répète, si... alors, bon, pour l'instant, je pense pas que ça doit intéresser du monde. Je sais pas si j'ai beaucoup de scrappeuses parmi mes abonnés. Mais je vous le répète, hein, s'il y a des serviettages, donc des feuilles de papier, de serviettes qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. Dans ce que j'ai, c'est avec plaisir que je vous en enverrai une ou deux. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.